Il n'y réussit pas mieux que le reste de la garnison et la société dans son ensemble. Les deux jeunes officiers, assez obscurs jusque-là, devinrent l'objet de la curiosité universelle éveillée par l'origine de leur querelle. Le salon de Madame de Lyonne était le centre d'ingénieuses suppositions. Cette dame fut même, un temps, assaillie de questions en tant que dernière personne à avoir parlé à ces deux malheureux insensés, avant qu'ils ne quittent ensemble sa demeure pour se livrer à un féroce duel au sabre, au crépuscule, dans un jardin particulier. Elle protesta n'avoir rien observé de particulier dans leur conduite. Le lieutenant Ferraud était visiblement contrarié de partir, mais c'était assez naturel. Aucun homme n'aime être dérangé au milieu d'une conversation avec une dame réputée pour son élégance et sa sensibilité. Mais, à vrai dire, le sujet ennuyait Madame de Lyonne, car même les potins les plus audacieux n'établissaient aucune corrélation entre cette affaire et sa personne. Et elle s'irritait d'entendre qu'il pourrait bien y avoir une femme là-dessous. Cette irritation ne tenait ni à son élégance, ni à sa sensibilité, mais à un côté plus instinctif de sa nature. Et elle finit par atteindre un degré tel qu'elle interdit formellement d'évoquer le sujet sous son toit. Cette défense fut respectée autour de son sofa, mais un peu plus loin dans le salon, le voile du silence imposé continuait à être plus ou moins soulevé. Un personnage au long visage pâle et au vin opinait en branlant du chef qu'il s'agissait d'une querelle de longue date envenimée par le temps. On lui objecta que les deux protagonistes étaient trop jeunes pour que cette théorie s'avérât juste. Ils venaient en outre de deux régions de France éloignées. Il y avait également d'autres impossibilités physiques. Un sous-commissaire à l'intendance, aimable célibataire cultivé, en culotte de Casimir, bottes à la essoise et tunique bleue gansée d'argent, qui affectait de croire en la transmigration des âmes, suggéra que les deux hommes s'étaient peut-être rencontrés dans une existence antérieure. Leur discorde remontait à un passé oublié. Il pouvait s'agir de quelque chose de parfaitement inconcevable dans l'état présent de leur être. Mais leur âme conservait le souvenir de leur animosité et faisait preuve d'un antagonisme instinctif. Il développa ce thème avec une certaine jovialité, mais l'affaire restait si absurde, tant du point de vue mondain ou militaire, que de celui de l'honneur ou de la prudence, que cette étrange explication paraissait presque la plus raisonnable. Les deux officiers n'avaient fait de confidences précises à personne. L'humiliation d'avoir été défait les armes à la main et le sentiment inconfortable d'avoir été entraîné dans une vilaine affaire par un sort injuste imposait au lieutenant Ferraud un mutisme complet. Il se méfiait de la sympathie humaine qui irait bien sûr à se freluquer de l'état-major. Étendu sur son lit, il lisait les imprécations à la jolie servante qui les écoutait avec effroi tout en le soignant avec dévouement. Que le lieutenant Dubert dut bientôt payer cela lui semblait juste et naturel. Son principal souci
était que le lieutenant Ferraud ne s'excita point. Elle le trouvait dans l'humilité de son cœur si admirable et fascinant que sa seule préoccupation était de le voir se rétablir rapidement, même pour reprendre ses visites au salon de Madame de Lyonne. Le lieutenant d'Hubert gardait quant à lui le silence pour la raison évidente qu'il n'avait personne à qui parler, à l'exception d'un jeune nigaud attaché à son service. De plus, il savait que l'incident, si grave sur le plan professionnel, avait un côté comique. Lorsqu'il y repensait, il ressentait toujours l'envie de tordre le cou au lieutenant Ferraud. Mais cette image, à prendre plus au figuré qu'au sens propre, traduisait plus un état d'esprit qu'une impulsion physique véritable. En même temps, il y avait chez lui un sentiment de camaraderie et une bienveillance qui l'empêchaient d'aggraver encore la situation de son adversaire. Il ne souhaitait pas se répandre en commentaires sur cette maudite affaire. Il lui faudrait cependant dire la vérité pour sa défense lors de l'enquête. Et cette perspective le contrariait. Mais il n'y eut pas d'enquête car l'armée entra en campagne. Le lieutenant d'Hubert, libéré sans la moindre observation, reprit ses fonctions dans son régiment. Et le lieutenant Ferraud, tout juste débarrassé de l'écharpe qui maintenait son bras, rejoignit sans même être interrogé son escadron, où il termina sa convalescence dans la fumée des champs de bataille et la fraîcheur des bivouacs nocturnes. Ce traitement vivifiant lui réussit si bien qu'aux premières rumeurs d'un armistice, il put se livrer sans crainte à ses projets de guerre privée. Il s'agirait cette fois d'un combat dans les règles. Il envoya deux de ses amis auprès du lieutenant d'Hubert, dont le régiment était stationné à quelques milles de là. Ses amis n'avaient posé aucune question à leur client. J'ai un compte à régler avec ce bel officier d'état-major, avait-il sinistrement déclaré. Et ils étaient partis, comptant accomplir leur mission. Le lieutenant d'Hubert n'eut pas de peine à trouver deux amis tout aussi discrets et dévoués à leur client. Il y a un insensé qui a besoin d'une leçon, avait-il sèchement déclaré. Et ils ne demandèrent pas de meilleures raisons. Un duel à l'épée de combat fut organisé sur ces bases un matin, de très bonne heure, dans un champ propice. Au troisième assaut, le lieutenant d'Hubert se retrouva étendu sur l'herbe humide, une blessure au flanc. Un clair soleil se levait à sa gauche, au-dessus d'un paysage de prairies et de forêts. Un chirurgien, pas le joueur de flûte, mais un autre, était penché sur lui et palpait le pourtour de la plaie. C'était moins une, mais ça ne sera rien. Le lieutenant d'Hubert entendit ces paroles avec plaisir. Un de ses témoins, assis dans l'herbe humide pour lui soutenir la tête sur ses genoux, déclara: La fortune de la guerre, mon pauvre vieux. Que veux-tu? Vous feriez mieux de vous réconcilier comme deux bons compagnons d'armes. Allons! Tu ne sais pas ce que tu demandes, murmura le lieutenant d'Hubert d'une voix faible. Néanmoins, s'il, dans un angle du champ, les témoins du lieutenant Ferraud pressaient ce dernier d'aller serrer la main de son adversaire. Vous êtes quitte maintenant. Que diable! C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ce d'Hubert est un honnête gaillard.
Je connais l'honnêteté de ses favoris, des généraux, grommela entre ses dents le lieutenant Ferraud, et son air sombre découragea toute nouvelle tentative de réconciliation. Les témoins, se saluant à distance, emmenèrent leurs hommes. Dans l'après-midi, le lieutenant Dubert, qu'une grande bravoure jointe à un caractère franc et égal rendait très populaire, reçut de nombreuses visites. On remarqua que le lieutenant Ferraud ne sortit guère, contrairement à la coutume, pour recevoir les félicitations de ses amis. Elles ne lui auraient pourtant pas manqué, car il était lui aussi apprécié pour sa nature méridionale, exubérante, et la simplicité de son caractère. Partout où les officiers avaient l'habitude de se réunir en fin de journée, il ne fut question que de ce duel. Bien que le lieutenant Dubert eût cette fois été défait, on loua fort son maniement très rigoureux et très scientifique de l'épée. On chuchota même que s'il avait été touché, c'était parce qu'il avait voulu épargner son adversaire. Mais nombreux furent ceux qui déclarèrent irrésistible la vigueur et le panache de l'attaque du lieutenant Ferraud. On débattit ouvertement des mérites des deux officiers en tant que combattants. Mais leur attitude après le duel fut l'objet de prudentes critiques. Tous déploraient que toute réconciliation fut impossible. Mais ils savaient certainement mieux que quiconque ce que leur dictait leur sens de l'honneur. Et il n'appartenait pas à leurs camarades de trop s'immiscer dans ce qui restait leur affaire. Quant à l'origine de la querelle, elle datait de l'avis général de l'époque où il se trouvait en garnison à Strasbourg. Cette opinion faisait cependant secouer la tête au chirurgien mélomane, car, à son sens, elle remontait beaucoup plus loin. « Mais bien sûr, vous devez connaître toute l'histoire !» s'écrièrent plusieurs voix avec une vive curiosité. « De quoi s'agissait-il donc ?» Il cessa de fixer son verre et leva posément les yeux. Même si je le savais, vous ne tireriez rien de moi, puisque les deux intéressés ont choisi de ne rien dire. Il se leva et sortit, laissant planer le mystère derrière lui. Il ne pouvait pas rester plus longtemps, car l'heure magique consacrée à sa flûte approchait. Un très jeune officier fit solennellement remarquer après son départ: ses lèvres sont scellées à l'évidence. Personne ne mit en cause la grande justesse de cette assertion, qui ajoutait encore au caractère impressionnant de l'affaire. Plusieurs officiers des deux régiments, parmi les anciens, poussés par la simple bienveillance et l'amour de la concorde, proposèrent de constituer un tribunal d'honneur auquel les deux jeunes gens s'en remettraient pour leur réconciliation. Malheureusement, ils s'adressèrent d'abord au lieutenant Ferraud, pensant que celui-ci serait apaisé et enclin à la modération suite à son récent succès. C'était assez bien raisonné. Pourtant, la démarche se révéla malheureuse. Après le relâchement de la tension morale provoquée par la vanité satisfaite, le lieutenant Ferraud avait consenti dans le secret de son cœur à reconsidérer l'affaire. Il en était même arriver à douter, sinon de la justice de sa cause, du moins de l'absolue sagesse de sa conduite. Cela étant, il répugnait à en parler, et la proposition des sages le plaça dans une position difficile. Il en fut écœuré, et cet écœurement, par une logique paradoxale, réveilla son animosité envers le lieutenant Dubert. Allait-il être éternellement harcelé par ce gaillard?
ce gaillard qui avait le don diabolique d'embobiner les gens, et il était pourtant difficile de refuser tout net cette médiation, autorisée par le code de l'honneur. Il fit face à la difficulté en adoptant une attitude farouchement réservée. Il tortilla sa moustache et usa de termes vagues. Son cas était très clair et il n'avait pas plus de honte à l'exposer devant un tribunal d'honneur compétent qu'il n'avait de crainte à le défendre sur le terrain. Il ne voyait pas de raison de sauter sur cette proposition avant de savoir comment elle serait accueillie par son adversaire. Plus tard, le même jour, on l'entendit déclarer sardoniquement dans un lieu public, suite à une nouvelle bouffée d'exaspération. Ce serait mieux pour le lieutenant Dubert, car lors de notre prochaine rencontre, il ne devra pas compter s'en tirer avec seulement 3 petites semaines de lit. Cette fanfaronnade avait dû lui être soufflée par le plus noir des machiavélismes. Les natures méridionales cachent souvent sous l'exubérance apparente de leurs actes et de leurs paroles une certaine sagacité. Le lieutenant Ferraud, qui se méfie de la justice des hommes, ne souhaitait nullement un tribunal d'honneur. Et la phrase précitée qui s'accordait si bien avec son tempérament, eut aussi le mérite de le servir. Prononcée ou non à dessein, elle parvint en moins de 24 heures dans la chambre du lieutenant Dubert, et ce dernier, soutenu par des oreillers, accueillit les ouvertures qu'on lui fit le lendemain en affirmant que l'affaire n'était pas de nature à supporter la discussion. La pâleur de l'officier blessé, sa faible voix qu'il devait encore ménager et la dignité courtoise de son ton produisirent une forte impression sur ses auditeurs. Rapporté à l'extérieur, cela fit plus pour épaissir le mystère que les fanfaronnades de Ferraud, qui fut fort soulagé par l'issue de cette démarche. Il commença à priser l'étonnement général et se plut à en rajouter par son attitude de farouche discrétion. Le colonel du régiment du lieutenant Dubert était un officier grisonnant et tanné, qui se faisait une idée toute simple de ses responsabilités. « Je ne peux pas laisser le meilleur de mes subalternes se faire abîmer ainsi pour rien. Il me faut tirer moi-même cette affaire au clair. Il faudra qu'il parle, quand bien même le diable y serait pour quelque chose. Un colonel doit être plus qu'un père pour ses jeunes. » Et il vouait en effet à tous ces hommes l'affection que le père d'une famille nombreuse peut porter à chacun de ses enfants. Si une erreur de la Providence faisait que les hommes naissent simples civils, il reconnaissait au sein d'un régiment comme les enfants viennent au monde dans une famille. Et c'était cette naissance militaire qui seule comptait. Le vieux soldat éprouva une sincère compassion en voyant le lieutenant Dubert debout devant lui, le visage blême et les yeux creux. Toute son affection pour le régiment, ce corps d'homme qu'il tenait dans sa main pour le lancer en avant ou le ramener à son gré en arrière, qui exaltait son orgueil et commandait toutes ses pensées, sembla se concentrer un instant sur la personne de son officier le plus prometteur. Il s'éclaircit la voix de façon menaçante et se renfrogna terriblement. Vous devez bien comprendre que je me moque éperdument de la vie du dernier de mes hommes. Je vous enverrai galoper tous les 843 cavaliers, hommes et chevaux que vous êtes dans l'abîme de perdition sans plus de remords que d'avoir écrasé une mouche.
Oui, mon colonel, vous mèneriez la charge, fit le lieutenant Dubert, avec un pâle sourire. Le lieutenant, qui sentait le besoin de se montrer diplomate, rugit soudain. Sachez, lieutenant Dubert, que je pourrais fort bien, s'il le fallait, rester à l'écart et vous regarder vous engouffrer dans les enfers. Tous autant que vous êtes. Je suis un homme à aller jusque-là si l'intérêt du service et mon devoir envers la patrie l'exigeaient. Mais c'est inconcevable et il est donc inutile d'en parler. Ses yeux restaient furibonds, mais son ton s'adoucit. Il y a encore du lait sur votre moustache, mon garçon. Vous ne savez pas ce dont un homme comme moi est capable. Je me cacherai derrière une meule de foin si... Ne souriez pas, lieutenant. Comment osez-vous ? S'il ne s'agissait pas d'une conversation privée, je n'hésiterais pas à écouter un peu. Je suis comptable du juste nombre de vies tombées sous mon commandement pour la gloire de notre pays et l'honneur du régiment. Comprenez-vous cela ? Bien. Alors, à quoi bon diable songez-vous en laissant embrocher ainsi par cet officier du 7e hussard. C'est une honte, vous m'entendez ? Le lieutenant Dubert se sentit vexé, plus que de raison. Il eut, pour toute réponse, un léger haussement d'épaule. Il ne pouvait ignorer sa responsabilité. Le colonel voila son regard et baissa encore la voix. « C'est une honte » murmura-t-il. Puis, il changea de nouveau de ton. « Voyons » fit-il d'un ton persuasif, avec cette note d'autorité qui appartient à tout bon meneur d'homme. « Tirons cette affaire au clair. Je veux que vous me disiez franchement de quoi il retourne. Étant votre meilleur ami, j'ai le droit de savoir. » Le poids irrésistible de l'autorité, l'influence persuasive de la bonté, jouèrent pleinement sur un homme tout juste sorti de son lit de douleur. La main que le lieutenant Dubert refermait sur le pommeau d'une canne trembla légèrement. Mais son tempérament d'homme du Nord, sentimental mais prudent et lucide, dans son idéalisme, retint l'élan qui le poussait à avouer toute l'absurdité de cette mortelle affaire, suivant le précepte de la sagesse transcendantale. Il tourna 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler et de ne prononcer que des paroles de gratitude. Le colonel l'écouta, d'abord intéressé, puis confondu. Il finit par se renfrogner. « Vous hésitez ?»« Mille tonnerres. Ne vous ai-je pas dit que je veux bien condescendre à discuter avec vous, en ami ?»« Si, mon colonel, répondit doucement le lieutenant Dubert, mais j'ai bien peur qu'après m'avoir écouté en ami, vous n'agissiez en supérieur. » Attentif, le lieutenant fit claquer ses mâchoires. « Soit, et alors, dit-il sans ombrage, est-ce si déshonorant ?»« Assurément non, affirmait le lieutenant Dubert, d'une petite voix ferme. J'agirai bien sûr dans l'intérêt du service. Rien ne peut m'en empêcher. Pourquoi donc croyez-vous que je veuille être informé ? Je sais que ce n'est pas par simple curiosité. Je sais que vous agirez avec sagesse. Mais que faites-vous de la bonne réputation du régiment ? Elle ne saurait être affectée par la sottise d'un jeune lieutenant, répondit d'un ton sévère le colonel. Non, certes, non, mais elle pourrait l'être par
de mauvaise langue. On dira qu'un lieutenant du 4e hussard, redoutant d'affronter son adversaire, se cache derrière son colonel. Et ce serait pire que de se cacher derrière une meule de foin, dans l'intérêt du service. Je ne saurais y consentir, mon colonel. Personne n'oserait dire une chose pareille, commença le colonel avec fougue. Mais il termina sa phrase sur une note dubitative. La bravoure du lieutenant d'Hubert était bien connue, mais le colonel savait que le courage requis pour le duel, pour se battre en combat singulier, est censé, à tort ou à raison, être de nature particulière. Et il était absolument nécessaire qu'un officier de son régiment eût tous les courages et le prouvât. Le colonel avança la lèvre inférieure, le regard singulièrement vitreux, perdu dans le lointain. C'était sa façon d'exprimer sa perplexité, une expression quasiment inconnue de son régiment. Car la perplexité est un sentiment incompatible avec le grade de colonel de cavalerie. Et il était anéanti. Il était anéanti par la nouveauté déplaisante de cette sensation. Et n'ayant pas l'habitude de réfléchir, sauf en ce qui concernait les questions d'ordre professionnel liées au bien-être des hommes et des chevaux et à leur bonne utilisation sur le champ d'honneur, ses efforts intellectuels dégénérèrent en simple répétition mentale de jurons. Mille tonnerres, sacré nom de nom, pensait-il. Le lieutenant d'Hubert fut secoué d'une douloureuse quinte de toux et ajouta d'une voix basse: Il se trouvera beaucoup de mauvaises langues pour dire que j'ai été intimidé. Et je suis sûr que vous ne voudriez pas que je laisse passer cela. Je peux me retrouver soudain avec une douzaine de duels sur les bras au lieu de cette seule et unique affaire. La belle simplicité d'un tel argument fit mouche. Le colonel fixa son subordonné. Asseyez-vous, lieutenant, grommela-t-il. C'est bien le diable, asseyez-vous. Mon colonel, je ne crains pas les mauvaises langues. Il existe un moyen de les réduire au silence, mais il y a aussi ma tranquillité d'esprit. Je ne pourrais pas me défaire de l'idée que j'ai causé la ruine d'un autre officier. Quelques mesures que vous preniez, l'affaire ira plus loin. L'enquête a été abandonnée, c'est très bien. Elle aurait été absolument fatale à Fierro. Hein, quoi? Il s'est donc si mal conduit? Oui, passablement mal, murmura le lieutenant d'Hubert, qui, encore très faible, se sentait au bord des larmes. Comme l'autre officier n'appartenait pas à son régiment, le colonel n'eut aucune peine à le croire. Il se mit à arpenter la pièce. C'était un bon chef, un homme capable de sympathie, discrète, mais il était aussi humain par d'autres côtés, comme cela apparut. Car tout artifice lui était étranger. Le diable, lieutenant, laissa-t-il échapper en toute innocence? C'est que j'ai affirmé mon intention de tirer au clair cette affaire. Et lorsqu'un colonel dit quelque chose, vous comprenez? Contentez-vous, je vous en supplie, mon colonel, interrompit solennellement le lieutenant d'Hubert, de ma parole d'honneur que j'ai été placé dans une maudite situation
où je n'avais pas le choix, pas le moindre issue compatible avec ma dignité d'homme et d'officier. Après tout, mon colonel, il s'agit du fond même de l'affaire. Voilà, vous savez tout. Le reste n'est que détail. Le colonel s'arrêta net. La réputation de bon sens et de bon caractère du lieutenant Dubert pesait dans la balance. Tête froide, cœur généreux, franc comme l'or, toujours correct dans sa conduite, il fallait lui faire confiance. Le colonel réprima hardiment une immense curiosité. Vous affirmez qu'en tant qu'homme et officier, pas le choix, dites-vous? En tant qu'officier, un officier du 4e hussard de surcroît, je n'avais pas le choix. Et voilà le fond de l'affaire, mon colonel. Oui, je ne vois toujours pas pourquoi, à son colonel, un colonel est un père. Que diable! Le lieutenant Dubert n'aurait pas dû être autorisé à sortir si tôt. Il prenait conscience de son insuffisance physique avec humiliation et désespoir, mais il était à la fois sous l'empire d'un entêtement de malade et atterré de sentir ses yeux se remplir de larmes. Cette tension semblait trop lourde. Semblait trop lourde pour lui. Une larme glissa le long de sa joue pâle et amaigrie. Le colonel s'empressa de se détourner. On aurait pu entendre une mouche voler. Une stupide histoire de femme, sans doute. En prononçant ces mots, le colonel fit volte-face pour saisir la vérité, qui n'est pas une belle forme vivant au fond d'un puits, mais un oiseau craintif que l'on attrape mieux en usant de stratagèmes. Ce fut là son ultime démarche diplomatique. Il vit la vérité briller sans conteste dans le geste du lieutenant Dubert, levant ses bras affaiblis et les yeux au ciel en une protestation suprême. Pas une affaire de femme, hein? grommela le colonel en le dévisageant. Je ne vous demande ni qui ni où. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a une femme là-dessous. Le lieutenant Dubert baissa les bras et sa faible voix se brisa de façon pathétique. Rien de tel, mon colonel. Sur l'honneur, insista le vieux soldat. Sur l'honneur. Très bien, fit le colonel en se mordant la lèvre d'un air pensif. Les arguments du lieutenant Dubert, jouant à la sympathie qu'il éprouvait pour ce jeune homme, l'avaient convaincu. Et d'un autre côté, il était très malséant que son intervention, dont il n'avait pas fait mystère, restât sans effet visible. Il garda encore un peu le lieutenant Dubert, puis le congédia avec bienveillance. Gardez le lit encore quelques jours, lieutenant. Où diable le chirurgien avait-il la tête en vous déclarant apte à reprendre le service? En sortant de chez le colonel, le lieutenant Dubert ne dit rien à l'ami qui l'attendait pour le raccompagner chez lui. Il ne souffla mot à personne, ne fit aucune confidence. Mais en se promenant ce soir-là sous les ormes près de sa résidence en compagnie du commandant en second, le colonel prit la parole. Je suis allé au fond de cette affaire. Le lieutenant-colonel, un petit homme sec et brun, aux favoris courts, dressa l'oreille sans laisser voir le moindre signe de curiosité. Ce n'est pas une mince affaire, ajouta le colonel d'un ton magistral. L'autre attendit le long moment avant de murmurer. Certes, colonel. Pas une mince affaire, répéta le colonel en regardant droit devant lui. J'ai cependant défendu
à d'Hubert de défier Féraud en duel ou de relever un défi de ce dernier durant les 12 prochains mois. Il avait imaginé cette interdiction pour sauvegarder le prestige dont tout colonel doit être doté. Elle eut pour effet de sceller officiellement le mystère dont était entourée cette querelle mortelle. Le lieutenant d'Hubert opposa un silence implacable à toutes les tentatives visant à lui arracher la vérité. Le lieutenant Féraud, d'abord secrètement inquiet, retrouva peu à peu son assurance. Il dissimulait sous un léger rire sardonique son ignorance des raisons de cette trêve imposée. Comme si ce qu'il entendait gardait pour lui seul l'amusait. Mais que vas-tu faire? Lui demandaient ses camarades. Et il se contentait de répondre: Qui vivra verra. Avec une certaine truculence, et tous admiraient sa discrétion. Le lieutenant d'Hubert passa capitaine avant la fin de la trêve. Sa promotion était certes méritée, mais personne ne semblait s'y attendre. En apprenant la nouvelle, lors d'une réunion d'officiers, le lieutenant Féraud marmonna entre ses dents: Vraiment? Et puis, décrochant son sabre suspendu à une patère près de la porte et le bouclant avec soin, il quitta la compagnie sans ajouter le moindre mot. Il rentra chez lui à pas mesurer, battit son briquet et alluma sa chandelle. Puis, saisissant un malheureux verre sur la cheminée, il le jeta violemment à terre. Maintenant que D'Hubert était un officier d'un grade supérieur, il n'était plus question de duel. Aucun des deux ne pouvait lancer ou relever un défi sans être passible du conseil de guerre. Il ne fallait pas y songer. Le lieutenant Féraud, qui n'éprouvait plus depuis déjà longtemps le réel désir de rencontrer le lieutenant D'Hubert, les armes à la main, s'emporta à nouveau contre l'injustice systématique du sort. Croit-il pouvoir s'en tirer ainsi? Pensa-t-il indigné. Il voyait dans cette promotion une intrigue, une conspiration, une lâche manœuvre. Ce colonel savait ce qu'il faisait. Il s'était empressé de recommander son favori pour l'avancement. Il était scandaleux qu'un homme pût éviter les conséquences de ses actes de si sournoise et tortueuse manière. De nature insouciante et de tempérament plus batailleur que militaire, le lieutenant Féraud s'est contenté de recevoir des coups par simple goût de la lutte armée, sans jamais beaucoup penser à l'avancement. Mais un besoin urgent de monter en grade s'emparait maintenant de lui, ce sabreur de vocation résolue de saisir toutes les occasions de se mettre en avant et de briguer la faveur de ses chefs comme tout bon mondain. Il se savait aussi brave que quiconque et ne doutait jamais de son charme personnel. Pourtant, ni la bravoure ni le charme ne semblaient opérer bien vite. Son engageante truculence de beau sabreur insouciant subit un changement radical. Il se mit à faire des allusions amères sur les petits malins prêts à tout pour de l'avancement. L'armée en était pleine, disait-il. Il n'y avait qu'à regarder autour de soi. Mais il n'avait qu'une seule personne en vue, son adversaire, D'Hubert. Il confia même à un ami compréhensif: Moi, vois-tu, je ne sais pas flatter les gens
qu'il faut. Ce n'est pas dans mon caractère. Il n'obtint son avancement qu'une semaine après Austerlitz. La cavalerie légère de la grande armée eut, à un temps encore, de quoi bien besogner. Mais dès que cette fièvre fut retombée, le capitaine Ferraud ne perdit pas de temps pour organiser une rencontre. « Je connais mon oiseau, » fit-il d'un air sinistre. « Si je n'y veille pas, il s'arrangera pour avoir de l'avancement en marchant sur la tête d'une douzaine d'officiers plus méritants. Il sait y faire. » Ce duel eut lieu en Silésie et sinon jusqu'à la mort, du moins jusqu'à l'immobilisation des deux adversaires. L'arme était le sabre de cavalerie et l'habileté, la science, la vigueur et la détermination dont firent preuve les duellistes forcèrent l'admiration des témoins. On en parla sur les deux rives du Danube et jusqu'à Graz et Laibach. Sept fois, ils croisèrent le fer, chacun recevant de nombreuses taillades et saignant abondamment. Ils refusèrent à maintes reprises l'arrêt du combat avec ce qui paraissait être une haine mortelle. Cette apparence était causée chez le capitaine Dubert par le désir naturel d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce tracas. Et chez le capitaine Ferraud, par la formidable exaltation de son instinct batailleur et l'aiguillon de sa vanité blessée. Finalement, échevelée la chemise en lambeaux couvert de sang et tenant difficilement debout, ils furent emmenés de force par leurs témoins émerveillés et horrifiés. Plus tard, assaillis par des camarades avides de détails, ces messieurs déclarèrent qu'ils ne pouvaient les laisser se tailler en pièces indéfiniment. Questionnés pour savoir si la querelle était cette fois bien vidée, ils dirent avoir la conviction que seule la mort sur le terrain de l'un ou de l'autre pourrait régler ce différend. Le bruit passa d'un corps d'armée à l'autre pour gagner jusqu'au plus petit détachement cantonné entre le Rhin et la Save. On estimait généralement dans les cafés de Vienne, d'après les derniers détails connus, que les adversaires pourraient se rencontrer de nouveau sous 3 semaines. On s'attendait à quelque chose de vraiment transcendant en matière de duel. Ces attentes furent réduites à néant par les nécessités du service qui séparèrent les deux officiers. On n'avait prêté aucune attention officielle à leur querelle, qui était maintenant la propriété de l'armée et dont on ne pouvait se mêler à la légère. Mais l'histoire du duel, ou plutôt leur penchant pour le duel, avait dû nuire à leur avancement, car ils étaient toujours capitaines lorsqu'ils se rencontrèrent de nouveau durant la guerre contre la Prusse. Détachés au nord après Iéna, l'armée était commandée par le maréchal Bernadotte, prince de Pontecorvo. Ils entrèrent ensemble dans Lübeck. Ce ne fut qu'une fois la ville occupée que le capitaine Ferraud trouva le loisir de songer à sa conduite future. Attendu que le capitaine Dubert venait d'être nommé 3e aide de camp du maréchal, il y réfléchit une bonne partie de la nuit avant de faire venir au matin 2 amis compréhensifs. J'y ai bien réfléchi, déclara-t-il en les fixant de ses yeux fatigués et injectés de sang. Je me vois dans l'obligation de me débarrasser de cet intrigant. Il a réussi cette fois à s'insinuer dans l'état-major personnel du maréchal. C'est une provocation directe, à mon endroit. Je ne puis tolérer une situation qui m'expose à recevoir un jour un ordre par son intermédiaire. Et Dieu sait quel ordre. Cela
s'est déjà produit une fois et c'est une fois de trop. Il le comprend très bien, soyez-en sûr. Je ne puis vous en dire plus. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. La rencontre eut lieu hors des murs de Lübeck, sur un terrain très découvert, choisi avec un soin particulier et en tenant compte du sentiment général de la division de cavalerie appartenant au corps d'armée, qui estimait que cette fois, les deux officiers devaient se rencontrer à cheval. Après tout, ce duel était une affaire de cavalerie, et persister à combattre à pied serait faire fi de l'armée, serait faire fi de l'arme où l'on servait. Les témoins, surpris par le caractère inhabituel de la suggestion, s'empressèrent d'en référer à leur client. Le capitaine Ferraud la saisit au bon. Pour quelque obscure raison liée sans doute à sa psychologie, il s'imaginait invincible à cheval. Tout seul, entre les quatre murs de sa chambre, il se frotta les mains et murmura d'un ton triomphant « Haha, mon bel officier d'état-major, je te tiens cette fois. » Quant au capitaine Dubert, après avoir fixé très longtemps ses amis, il haussa légèrement les épaules. Cette affaire avait désespérément et stupidement compliqué sa vie. Qu'importait une absurdité de plus ou de moins? Toute absurdité lui répugnait, mais avec sa courtoisie habituelle, il esquissa un petit sourire ironique et il dit de sa voix calme « Cela rompra un peu avec la monotonie de la chose. » Lorsqu'il fut seul, il s'assit à une table et se prit la tête entre les mains. Il ne s'était pas ménagé ces derniers temps et le maréchal avait beaucoup exigé de toutes ses aides de camp. Les trois dernières semaines de campagne, par un temps épouvantable, avaient altéré sa santé. Lorsqu'il était épuisé, il souffrait d'un point de côté là où il avait été blessé et cette sensation désagréable le déprimait toujours. « C'est encore la faute de cette brute, » pensa-t-il, avec amertume. Il avait reçu la veille une lettre de sa famille lui annonçant que sa sœur unique allait se marier. Il réfléchit que, depuis son départ en garnison à Strasbourg, elle avait alors 19 ans et lui 26. Il ne l'avait vue qu'à de brèves reprises. Il avait été grand ami et confident. Et maintenant, on allait la marier à un homme qu'il ne connaissait pas, quelqu'un sans doute de très honorable, pas moitié assez bien pour elle. Il ne reverrait jamais sa chère Léonie. Elle avait une petite tête bien pleine et beaucoup de tact. Elle saurait s'y prendre avec son mari. Il ne doutait pas du bonheur de sa sœur, mais il se sentait évincé de la première place qu'il occupait dans ses pensées depuis qu'elle avait su parler. Le regret nostalgique de ses années d'enfance envahit le capitaine Dubert, troisième aide de camp du prince de Pontecorvo. Il écarta la lettre de félicitations qu'il avait commencé à rédiger par obligation, mais sans enthousiasme. Il prit une autre feuille de papier et y traça les mots « Mes dernières volontés ». Absorbé par la contemplation de ces trois mots, il s'abandonna à des réflexions déplaisantes. Le pressentiment qu'il ne reverrait jamais le décor de son enfance pesait sur son humeur égale. Il se leva d'un bond, repoussant sa chaise, bâilla avec soin pour bien montrer qu'il n'avait cure des pressentiments et, se jetant sur son lit, s'endormit. Durant la nuit, il frissonna à plusieurs reprises sans se réveiller. Le lendemain matin,
Il chevaucha hors de la ville entre ses deux témoins, échangeant des banalités et regardant à gauche et à droite avec un détachement apparent. Les épaisses brumes matinales qui recouvraient les champs verts et plats bordés de haies, il franchit un fossé et vit de nombreuses silhouettes de cavaliers dans la brume. Il semblerait que nous allons nous battre devant la galerie, murmura-t-il amèrement en aparté. Ses témoins étaient plutôt inquiets de l'état du ciel, mais un pauvre soleil blafard finit par émerger des basses vapeurs. Et le capitaine Dubert distingua au loin trois cavaliers, un peu à l'écart des autres. Il s'agissait du capitaine Ferraud et de ses témoins. Il dégaina son sabre pour s'assurer qu'il était bien fixé à son poignet. Les témoins qui avaient formé jusque-là un groupe compact, leurs chevaux tête contre tête, se séparèrent au petit galop, laissant un vaste champ libre entre son adversaire et lui. Le capitaine Dubert regarda le piètre soleil, les champs tristes et l'imbécilité du combat imminent, le remplit de désolation. D'un coin éloigné du champ, une voix de stentor hurla les commandements à intervalles réguliers. Au pas, au trot, chargé. On n'a pas en vain le pressentiment de sa mort, pensa-t-il, en éperonnant son cheval. Aussi fut-il plus que surpris lorsque, au tout premier choc, le capitaine Ferraud reçut une blessure au front qui l'aveugla de sang et mit fin au combat presque avant qu'il eût véritablement commencé. Il était impossible de continuer, le capitaine Dubert laissant son ennemi jurer horriblement et chanceler sur sa selle entre ses témoins atterrés, franchit de nouveau le fossé pour gagner la route et rentrer chez lui au trot avec ses deux témoins, qui semblaient plutôt horrifiés par une issue aussi expéditive. Et il termina dans la soirée sa lettre de félicitations à l'adresse de sa sœur pour son mariage. Il était tard lorsqu'il mit fin Il était tard lorsqu'il mit le point final. C'était une longue lettre, il avait laissé libre cours à son imagination. Il disait à sa sœur qu'il allait se sentir plutôt seul après ce grand changement dans sa vie, mais le jour viendrait pour lui aussi de se marier. En fait, il pensa déjà à l'heure où il n'y aurait plus personne à combattre en Europe. Et où l'ère des guerres serait révolue. J'espère me trouver alors très près du bâton de maréchal. Et toi, épouse expérimentée, tu me chercheras une femme. Je serai probablement chauve d'ici là et un peu blasé. Il me faudra une jeune fille, jolie bien sûr, et dotée d'une grande fortune, ce qui devrait me permettre de terminer ma glorieuse carrière dans la splendeur convenant à mon haut rang. Il racontait pour terminer comment il avait donné une leçon à un gaillard querelleur et ennuyeux qui s'imaginait avoir un grief contre lui. Mais si tu entends dire au fond de ta province que ton frère est d'un tempérament querelleur, surtout n'en crois rien. Qui sait quel ragot pourrait atteindre tes oreilles innocentes. Quoi que tu entendes, dis-toi bien que ton frère, très affectionné, n'a rien d'un bretteur. Puis le capitaine Dubert froissa la feuille de papier où il avait écrit mes dernières volontés.
et la jeta au feu en riant franchement de lui-même. Ils n'avaient cure de ce que cet énergumène pouvait faire. Il avait brusquement acquis la conviction que son adversaire ne pouvait nullement influer sur son existence, sauf peut-être en mettant une animation toute particulière dans les délicieux intervalles pleins de gaieté qui séparaient les campagnes. Et pourtant, il ne devait plus y avoir d'intervalle paisible dans la carrière du jeune Dubert. Il vit les champs de bataille d'Eylau et de Friedland, fit des marches et des contre-marches dans la neige, dans la boue, dans la poussière des plaines polonaises, glanant l'honneur et l'avancement sur toutes les routes du nord-est de l'Europe. Pendant ce temps, le capitaine Ferraud, dépêché au sud avec son régiment, prenait part à une peu satisfaisante guerre d'Espagne. Ce n'est que lors des préparatifs de la campagne de Russie qu'il fut rappelé au nord, quittant sans regret le pays des mantilles et des oranges. Les premiers signes d'une calvitie assez saillante accrut l'aspect altier du front du colonel Dubert. Un front qui n'était plus blanc et lisse comme au temps de sa jeunesse. Le regard franc et doux de ses yeux bleus s'était un peu durci à trop percer la fumée des batailles. La chevelure d'ébène du colonel Ferraud, rude et crêpée comme une calotte de crin, laissait voir de nombreux fils d'argent sur les tempes. Une détestable guerre d'embuscade et de peu glorieuses surprises n'avait pas amélioré son caractère. La courbure de son nez crochu était désagréablement mise en évidence par un pli profond de chaque côté de la bouche. Des rides rayonnaient de ses orbites rondes. Il rappelait plus que jamais un oiseau irritable, au regard fixe, croisement de perroquet et de hibou. Il exprimait toujours avec la même véhémence sa haine des intrigants et saisissait toutes les occasions qui s'offraient à lui pour d'affirmer qu'il n'allait pas chercher son avancement dans l'antichambre des maréchaux. Les infortunés civils ou militaires qui, pour se montrer aimables, priaient le colonel Ferraud de leur dire comme il avait reçu cette estafilade qui lui barrait le front, étaient surpris de se voir rabroués de différentes façons, simplement grossières ou mystérieusement sarcastiques. Les jeunes officiers étaient gentiment prévenus par leurs camarades plus expérimentés de ne pas fixer de manière trop ostentatoire la cicatrice du colonel. Mais en vérité, il eût fallu qu'un officier fût bien jeune dans le métier des armes pour ne pas avoir entendu l'histoire légendaire de ce duel ayant pour origine une mystérieuse offense impardonnable.